plus bourré qu'avant. C'est pas grave. On a bien fait de louper l'entraînement aujourd'hui. Sors ton lait de cette humiliation. Je sais, je serais pareil si la mienne s'était prise une claque. Bon, bah, on se voit plus tard. Oh, toi, je sens que ça se bouscule dans ta petite tête. À quoi tu penses? Qu'on est en sous-nombre et sans défense. S'ils nous encerclaient dans notre secteur, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, on en dirait nos habla franceses. Nous, on parlerait comme eux? Non. On appellerait les renforts. Ah, j'avais aussi pensé à courir, mais c'est une bonne idée. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Approchez-vous. Venez. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Comment font-ils pour remuer comme ça? Arrête de flipper, Sky. Vous êtes là pour observer. C'est un avant-goût de ce que vous allez apprendre à faire. Hé, hey, faut vous lâcher un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Pas encore. Non, rien. En fait, je viens de réaliser qu'Ina a déjà deux sœurs. Elle a pas besoin de moi. S'il te plaît, quand tu te morfonds comme ça, c'est que tu fais ton caniméro. Je te connais mieux que personne et je pense que vous avez autant besoin de l'une que de l'autre. J'ai des devoirs à faire. Rentrons. Sky! Quoi? T'es trop mignonne. Tu viens danser, Chalita? D'accord. Christina, j'ai une moyenne générale de 19 sur 20. Lâche-moi, Calimero. Sky, tu veux danser?
Non, merci. Allez, viens. Non, ça va aller. Je sais, ton nom. Non, je suis bienvenue ici. Merci. Sky, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Tu m'espionnes? Ouais. Laisse-moi deviner, ton nouveau pote Victor t'a dit que tu me trouveras ici. Ouais, c'est possible. J'arrive pas à croire que tu ne m'aies même pas invité à cette petite fête, alors que j'ai pas arrêté de répéter à tout le monde à quel point je t'appréciais. C'est pas sympa. Oh non, t'as pas fait ça. Non, mais je le ferai. T'es toujours aussi mièvre. C'est toi, tu me rends nerveux. Moi? C'est toi le garçon plus populaire du lycée. Arrête. C'est comme ça que les autres me voient, mais pas toi. Et c'est tant mieux. Christina, pourquoi on n'est pas comme ces filles? Je sais pas, peut-être parce qu'on a fait vœu d'abstinence. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'être cool et sexy quand même. Je suppose que non. Tu regardais quoi, là? Qui, moi? Oh, rien. C'est ma copine que t'appelles rien? J'ai vu la manière dont tu la fixais. La manière? Quelle manière? C'est un malentendu, je regardais, c'est tout. Donc, tu me regardais, tu l'admets. Ok, je vais t'apprendre à me regarder. Attendez, vous voulez me taper dessus parce que je vous ai regardé? Tu la mates? Et tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? C'est pas comme ça que ça marche ici. Christina, sors-moi de là. Camilla! Attends-moi là. Elle vole tout, Sky! Quoi? Doucement, les filles, c'est quoi le problème? Je sais pas, je faisais que la regarder et puis elle est descendue. Pour lequel? Non, pourquoi t'as fait ça? Sky, ça se fait pas de regarder comme ça. J'ai déjà envoyé une fille à l'hosto parce qu'elle m'avait toisée. Elle a un problème, ta copine? Faut qu'elle arrête de nous mater comme ça. Tu connais le deal? Moi, je le connais. Mais elle, non. Elle vient de Malibu. Les gens, là-bas, ils se regardent sans aucune raison et tout le temps. Bon, laissez-moi lui parler. Je lui ai expliqué et elle ne le fera plus, d'accord? Bon, d'accord. On n'est pas venu pour se battre, de toute façon. Quelqu'un peut me dire ce qui vient de se passer? Oh, Scal, tu peux pas regarder les gens d'une manière ou d'une autre. Si tu croises un regard, tu peux faire un sourire. Mais si tu les fixes ou que tu les mates comme ça... Ou encore comme ça. C'est irrespectueux. Et t'es un âne. Tu comprends, Chica? Oui. Oui, je crois. Ah, bien. La prochaine fois que tu viens ici, mets tes lunettes noires. De bonnes grosses lunettes. D'accord. Allez, viens. Excuse-moi, ça y est, c'est réglé. J'ai vu ça, ouais. Tu viens? Je te suis.